Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du grand retour des concours officiels qui a eu lieu le week-end dernier. Pour l'occasion, j'avais engagé en CSO au Royal Jump de Bertichère. J'ai emmené mes deux poneys que vous connaissez déjà tous, que sont Exter et Akamas. Et j'ai également pu sortir Craig, le Connemara gris dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Pour ce concours, j'ai donc commencé par Akamas. Pour la reprise, j'avais engagé en poney E2. Les cotes ayant changé encore, la poney E2 correspond maintenant à la poney élite, soit une hauteur de barre à 1 mètre. Comme je m'y attendais pour cette reprise, Akamas était très content de pouvoir refouler les pistes et je me suis quelque peu faite traîner pendant tout le parcours. Par contre, contrairement à la semaine passée, Akamas a vraiment fait l'effort de bien sauter même s'il était très chaud. On sortira donc de ce tour en 4 points pour une barre sur le numéro 7, car je me suis totalement endormie dans la courbe juste avant. Malgré tout, je suis assez contente de notre parcours pour une reprise. Je vous laisse voir tout ça en images. Malgré nos 4 points, nous avons eu le droit à une belle remise des prix avec de super lots, une grosse coupe et un petit tour d'honneur. Ensuite, j'avais engagé Exter et Craig dans le Derby Cross Club 2. Le tour était composé d'abord de 4 obstacles de CSO dans la carrière, puis de 7 obstacles de cross à l'extérieur et à nouveau de 3 obstacles de cross dans la carrière. J'ai donc commencé par Exter. Et vous allez voir qu'Exter est toujours aussi stressé sur le cross. On sortira donc de notre tour en 20 points pour 3 barres sur la partie CSO et un refus et une destruction d'obstacles sur la partie cross. Par contre, je suis assez contente car j'ai pu faire mon parcours avec le Hackamore, car pour une fois, ce genre d'épreuve se déroulait sous le règlement du CSO et non du cross, et donc le Hackamore était autorisé. Et donc je confirme mes impressions de la semaine passée lors du CSO interne, Exter est vraiment mieux en Hackamore. Bref, je vous laisse avec le parcours. I'm coming home. We'll stay up till morning and head out exploring. Make up for months that we've missed. Cause the cold air is calling and my head's recalling the moment that I was convinced. We'll stay up till morning and head out exploring. So hard, but no, I wanted to stay. Course of God, but there was no other way. Did you wait? Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say, I'm coming home. Ensuite, j'ai donc pris Craig sur le même parcours.
Alors c'est la première fois que je montais Craig en concours officiel et c'est la première fois que le poney allait faire ce genre d'épreuve. Et pourtant, il a fait ça parfaitement bien, même s'il a un peu hésité sur les premiers obstacles de cross. Il m'a très bien écouté et nous sortons de ce tour avec juste une petite barre sur la partie cross. Je vous laisse donc voir notre tour en images. Avec le petit 4 points que nous avons fait, nous remportons quand même l'épreuve et nous avons encore eu le droit à une superbe remise des prix. Et avec Exter, malgré les 20 points de pénalité, nous avons fini 3e de l'épreuve. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Thank you.